En janvier 1944, deux armées alliées, l'une britannique, l'autre américaine, remontent lentement l'Italie, espérant rallier la ville de Naples et celle de Rome. Après un long périple, elles atteignent enfin la ligne Gustave, une ligne établie par les défenses allemandes au sud de Rome. Tracée sur l'une des plus extraordinaires défenses naturelles en Europe, cette ligne a été renforcée pendant des mois par les troupes d'élite de l'armée allemande. Pendant cinq mois interminables, bravant les désastreuses conditions climatiques, les Alliés vont pilonner les défenses allemandes. Des divisions américaines, britanniques, néo-zélandaises, indiennes, polonaises et françaises doivent livrer quatre batailles d'une rare intensité avant de faire plier la résistance allemande. Monte Cassino restera célèbre à jamais. Les Alliés ont cru à tort qu'ils pourraient attaquer le monastère de Fon. Ils pensaient pouvoir gravir la montagne et investir l'édifice assez facilement. On les a tirés comme des lapins. Le sergent est venu nous voir pour nous appeler un par un et nous a dit « Venez par ici, le prêtre veut vous entendre en dernière confession. » J'ai pensé « Ma dernière confession ?» Ça veut dire qu'on n'a absolument aucune chance d'en réchapper. J'ai le sentiment qu'on aurait pu éviter tout ça en contournant Cassino. La mort était partout. Cette bataille était absolument effroyable. Monte Cassino n'est pas seulement ancré dans les mémoires en raison de l'intensité des combats et de l'horreur qu'ils ont engendrée. Cela restera aussi comme le catalyseur des divergences alliées en matière de stratégie militaire. Des divergences qui allaient créer les pires difficultés entre Britanniques et Américains. Cette campagne restera pour l'histoire celle qui a détruit le vieux monastère du Mont Cassin, un trésor artistique et culturel fondé par les bénédictins, ainsi que la principale source d'inspiration monastique en Europe. Des divisions au sein de la coalition alliée expliquent en partie pourquoi la prise du monastère sera rendue aussi difficile. Les Américains n'ont jamais vraiment voulu aller en Italie. Ils avaient l'impression que les Anglais les avaient quelque peu possédés et qu'ils les avaient entraînés dans une campagne qui ne faisait que retarder l'objectif principal, à savoir l'opération Overlord, le débarquement en Normandie. Ça les empêchait d'ouvrir un second front principal en Europe. Churchill voulait attaquer les Allemands quel que soit le lieu et la période. Il a finalement porté son choix sur l'Italie. Mais il y a une raison à cela. Il voulait tout faire pour empêcher les Allemands de concentrer l'ensemble de leurs ressources militaires sur la France, et en particulier sur la Normandie, où le débarquement devait avoir lieu. Il le faisait aussi pour les obliger à dégarnir quelque peu leurs troupes du front russe. Dans la vision idéale de Churchill, l'Italie serait occupée, les Balkans à feu et à sang, les îles grecques libérées et la Turquie engagée dans le conflit. Les puissances de l'Axe seraient investies et exterminées en passant par ce qu'il aimait appeler leur ventre mou. L'entrée des Américains dans la campagne italienne se fait donc à contre-cœur. Et du coup, il n'y aura jamais assez d'hommes et de matériel pour que leur soutien produise l'effet escompté. Qui plus est, les relations entre hauts gradés alliés sont souvent tendues. Le général américain Mark Clark, qui commande la 5e armée, est jeune et ambitieux, mais déteste les méthodes anglaises. Et malheureusement, il entretient de piètres relations avec le très britannique général Sir Harold Alexander, qui dirige la campagne.
Ce qu'il faut savoir avec Clark, c'est qu'il n'était pas uniquement anti-britannique. Il servait simplement ses intérêts personnels. Il était autant anti-britannique qu'anti-américain. Clark avait une ambition au-delà de tout, et si les Britanniques se dressaient devant ses rêves de gloire, ils devenaient ses ennemis. Mais si un général américain s'était mis en travers de son chemin, alors il aurait été anti-américain. Côté allemand, les commandants sont des professionnels qui se relaient suivant les saisons. Le commandant en chef des troupes en Italie est le maréchal Albert Kesselring. Kesselring, qui venait de l'armée de l'air, était très respecté de ses seconds, tout comme des troupes en général. Il avait un grand sens de l'anticipation et il a très vite compris que les Alliés allaient envahir l'Italie. Il a eu la présence d'esprit de gérer cette situation en rapatriant petit à petit ses troupes vers le nord de la botte italienne. Mais le véritable commandant des troupes à Monte Cassino n'est autre qu'un certain général du nom de Fridolin von Zenger und Etterlin. La bataille de Monte Cassino lui appartient. Tout d'abord, il l'a extrêmement bien préparée et la bataille avançant, il savait exactement ce dont ses troupes d'infanterie avaient besoin. Il donnait à la fois l'assurance à ses troupes qu'il savait ce qu'il faisait et l'assurance de ne jamais manquer d'armes ni de munitions. La ligne Gustave se trouve au centre des meilleures routes qui traversent le sud de l'Italie, reliant la ville de Naples à celle de Rome. Des chemins abrupts mènent au pied des montagnes difficiles de l'Italie centrale. Au sommet du mont Cassin se dresse le monastère bénédictin, une abbaye qui domine la vallée, et en particulier le petit bourg de Cassino, une ville par laquelle passe la plus praticable des routes principales vers le nord de l'Italie. La ville donne directement sur le Rapido, un petit fleuve d'à peine 20 mètres de large, mais de plus de 3 mètres de profondeur, et dont le courant serpente à travers la vallée à plus de 12 km/h. La montagne, la ville et le fleuve forment une barrière infranchissable pour les Alliés dans leur tentative de traverser la vallée du Liri, un plat pays sur le chemin de Rome. C'était un terrain militaire idéal. Ça l'est toujours quand les positions sont élevées. On domine la vallée et ça vous donne l'avantage d'avoir une vue d'ensemble. D'ici, on voit le monastère de Monte Cassino. Il surplombe l'autoroute 6 qui passe au pied de la colline et vous conduit au nord, direction Rome. Les Allemands ont positionné leur ligne de défense entre l'Adriatique et le golfe de Gaète. La clé de cette ligne était tout simplement cet édifice qu'on voit là-haut. On ne pouvait pas gravir la colline sans se faire repérer. La végétation n'est pas spécialement luxuriante et la plaine en dessous est particulièrement claire et dégagée. Si bien qu'il était compliqué ne serait-ce que de s'en approcher sans être vu. Mais c'était le seul moyen de remonter la vallée du Liri. C'était l'obstacle majeur sur la route de Rome. Sur l'un des ordres quotidiens, on peut lire « Le Führer attend de vous que vous défendiez avec acharnement le moindre pouce de terrain. Les hommes de Von Zenger se sont préparés en conséquence. » La vallée au pied du monastère est volontairement inondée pour rendre l'accès impossible aux chars. Sur les bords du Rapido, on dispose des barbelés et on mine le terrain. Du côté allemand, on installe également des nids de mitrailleuses et des mortiers. La ville est évacuée. Les plus grands immeubles sont consolidés alors que ceux de moindre importance sont détruits pour permettre de brûler la végétation environnante et dégager encore un peu plus le terrain. Sur les flancs de montagne, des trous sont creusés à la dynamite pour y aménager des bunkers et blockhaus parfaitement bien dissimulés à la vue des Alliés.
Des abris dont les murs et les toits sont renforcés avec des plaques d'acier de 12 cm d'épaisseur. Des pseudo-miradors sont également installés à même la roche. Des positions stratégiques pouvant accueillir deux artilleurs qui se fondent dans le paysage rocailleux. Sur chaque arête, on place des mitrailleuses de telle sorte que la portée et l'angle de tir puissent couvrir la zone tout entière. Et pour finir, des observateurs dispersés sur les collines restent en contact permanent avec des équipes de conduite du tir qui organisent les tirs de barrage au mortier ou à la mitrailleuse pour annihiler toute velléité alliée en l'espace de quelques minutes. Une fois qu'on était à Cassino, on était complètement piégé. On ne pouvait même pas prendre une malheureuse tasse de thé parce qu'au moindre signe de fumée, il faisait immédiatement feu sur l'endroit d'où ça provenait. On ne pouvait plus bouger. Ils pouvaient voir chacune de nos positions. On recevait sans cesse des coups de mortier ou des rafales de mitrailleuse. Et si par malheur on donnait l'ordre d'effectuer des tirs de défense en représailles, là, c'était l'enfer qui vous tombait dessus. La 5e armée du général Clark, composée de soldats américains, britanniques et français, tente péniblement de franchir la ligne Gustave le 15 janvier 1944. Le véritable assaut sur les positions ennemies débute à peine 48 heures plus tard, un laps de temps beaucoup trop court pour préparer une offensive de grande envergure. Comme on pouvait le prévoir, l'attaque se solde par un terrible fiasco. Près des côtes de l'Adriatique, les troupes anglaises parviennent à franchir le fleuve, mais elles restent bloquées et ne parviennent pas à établir une tête de pont. Pire encore, la 36e division américaine du Texas, qui mène le combat plus au centre des hostilités, est anéantie en 2 jours et 2 nuits. Même ne serait-ce que pour atteindre le fleuve Rapido, les troupes alliées sont obligées de patauger dans la boue sur 3 km, tout en évitant les barbelés et les mines. Plusieurs attaques ont lieu de nuit par un brouillard naissant, sous le feu des mitrailleuses et de l'artillerie lourde. Contre toute attente, quelques éléments réussissent à traverser les rapides, mais à peine débarquées sur l'autre rive, elles sont immédiatement repoussées. Les experts du génie militaire tentent bien de construire des ponts pour autoriser l'appui des tanks dans les offensives, mais rien n'y fait. Les ponts sont aussitôt détruits. D'autres soldats parviennent à traverser le fleuve pendant la journée et la nuit qui suivent, mais avec un manque cruel de munitions et sans l'appui des chars, la tête de pont ne peut être maintenue. À la fin de la seconde nuit, moins de la moitié des troupes engagées dans l'attaque reviendra saine et sauve. Le franchissement du Rapido était destiné à forcer la ligne Gustave à déstabiliser les défenses allemandes. Mais bien entendu, ça n'a pas marché. On était en plein hiver, on était constamment observés, tout jouait en notre défaveur. Les Allemands avaient réussi à bâtir une extraordinaire ligne de défense avec la ligne Gustave. Donc, nos tentatives de traverser le fleuve pendant la nuit et d'établir une tête de pont de manière à construire des passages pour les chars étaient tout bonnement vouées à l'échec. Ce n'est qu'à l'extrémité droite de la ligne d'attaque que les Alliés progressent. À environ 3 km en amont du fleuve, par rapport à la ville de Cassino, la 34e division parvient à franchir le Rapido pour se positionner au pied de la montagne qui se dresse devant la petite ville transalpine. Il leur reste maintenant à gravir les pentes abruptes pour atteindre la crête à la gauche du monastère et ainsi gagner une position dominante sur la vallée. Pendant près d'une semaine, ils luttent avec acharnement pour débusquer les artilleurs allemands dissimulés derrière les rochers escarpés. Le sergent-chef s'est approché de nous en disant : on va mettre en place un barrage roulant à partir de 3 heures. Et un quart d'heure après, les tirs commenceront et vous pourrez avancer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais pendant qu'on suivait le chemin, on est tout à coup tombé sous le feu d'armes légères. «
La 34e division s'approchera à quelques centaines de mètres du monastère, sans pouvoir continuer, terrassée par la fatigue et le feu incessant des troupes allemandes. Le soldat qui s'occupait des munitions s'est retourné pour recharger son arme. Et quand il s'est à nouveau retourné, une grenade à manche allemande lui a explosé dessus, le blessant grièvement au ventre. Il est revenu en courant, en hurlant, « Je suis touché, est-ce que je vais mourir ?» Je lui ai répondu, « Non, il faut juste que tu te calmes, que tu t'allonges et que tu ne bouges plus. » La première bataille de Monte Cassino s'achève au bout de 3 semaines et demie sur un terrible échec. La 5e armée a ouvert une minuscule brèche sur la gauche de la ligne de défense allemande. Elle a réussi à se frayer un chemin dans la montagne sur la droite et a dû essuyer de terribles pertes au centre sans parvenir à gagner le moindre pouce de terrain. L'armée allemande a réussi son premier test avec brio, infligeant un sérieux revers aux assaillants alliés dans les montagnes. Von Senger und Netterlin peut afficher sans retenue sa satisfaction. Nous sommes maintenant au début du mois de février et le rythme s'intensifie. 3 divisions de la 8e armée britannique sont envoyées à Cassino en vue d'une deuxième offensive. À 80 km au nord, à Anzio, 2 divisions de la 5e armée sont sur le point d'être anéanties. Frustré par la lenteur de la progression des Alliés, Churchill a ordonné une opération par la mer à Anzio, une ville qui se trouve derrière les lignes allemandes. L'idée de Churchill, c'était de contourner la ligne Gustave en se rapprochant de Rome, de débarquer sur la plage près d'Anzio, et s'il ne parvenait pas à exterminer les Allemands, il les obligerait à envoyer des hommes pour contrer le débarquement. Du coup, l'équilibre de la ligne Gustave serait chamboulé et c'est là qu'il pourrait s'attaquer au point faible des Allemands. C'est justement pour cette raison que la première attaque sur Cassino a été préparée avec une telle hâte. Elle doit coïncider avec le débarquement à Anzio le 22 janvier. Ils espèrent par là voir les Allemands paniquer et abandonner certaines de leurs positions. Mais il n'y aura aucune panique et aucune retraite. Les Alliés n'ont que 2 débarcadères à disposition. Seules 2 divisions sont envoyées à Anzio. Trop peu pour constituer une véritable menace. Avec seulement 2 divisions mobilisées pour établir une tête de pont et permettre une avancée significative, on se rend bien compte que c'était tout bonnement impossible. C'est là tout le problème. On voit bien que la campagne italienne n'avait pas la même importance que la préparation de l'opération Overlord, c'est-à-dire du débarquement en Normandie. Kesselring saute sur l'occasion d'infliger un terrible revers aux Alliés en les repoussant vers la mer. Une 2e attaque sur Cassino est alors décidée pour mobiliser une partie des troupes de la Wehrmacht. Alors que l'opération d'Anzio était au départ prévue pour seconder celle de Cassino, c'est maintenant l'inverse qui se produit. Il y aura donc une 2e offensive prématurée sur Cassino, mais cette fois, elle sera menée par les troupes du Commonwealth. La division néo-zélandaise et la 4e division indienne sont toutes 2 des divisions d'élite. Rommel lui-même affirmera qu'il n'aura jamais combattu de meilleurs soldats que ceux de l'armée néo-zélandaise. Quant à la 4e division indienne, elle se compose dans sa majorité de militaires de carrière, des Sikhs et Gurkhas d'un grand professionnalisme comparable aux soldats des forces spéciales britanniques. À la tête de ces 2 divisions, un certain général Bernard Freyberg, 3 fois décoré pendant la Première Guerre mondiale. Il a tellement de blessures de guerre que lors de nombreux dîners, Churchill en personne lui demande d'ôter sa chemise pour étaler ses nombreuses cicatrices. Tous ceux qui le connaissaient s'accordaient à dire qu'il était l'un des hommes les plus courageux qu'ils aient jamais rencontrés. Mais il restait des incertitudes quant à ses réelles compétences. Certains prétendaient qu'il n'était capable de commander que 2 divisions, pas une armée entière. Je crois que la malchance de Freyberg, c'est que personne ne pouvait réussir cette opération. Il a quand même fait mieux que beaucoup de généraux n'auraient pu le faire dans de telles circonstances. «
Pour cette seconde offensive, Freyberg a un plan simple. Il projette d'envoyer la division néo-zélandaise à l'assaut de la gare de Cassino, au sud de la ville, ce qui permettra aux blindés alliés de contourner la ville et de pénétrer dans la vallée du Liri, en direction de Rome. Simultanément, la division indienne se dirigera vers les montagnes pour prendre le relais des Américains. Ils tenteront de progresser sur une étroite crête en vue de gagner le monastère. Ce plan met la vieille abbaye du Mont Cassin en plein dans la ligne de tir. Bien que celle-ci se trouve au beau milieu des lignes allemandes, ces derniers insisteront sur le fait qu'ils ne l'ont jamais fortifiée et qu'elle n'a jamais abrité de garnison. Les Allemands déplaceront aux yeux de tous les trésors que recèle le monastère et évacueront également tous les moines, excepté le vieil abbé et une demi-douzaine de ses fidèles compagnons. Freyberg doit maintenant prendre une décision difficile. Les Allemands ont certainement placé des tireurs en haut des murailles du monastère et personne ne peut certifier que des batteries de DCA ne se trouvent pas en son sein. On a longuement discuté pour savoir si on devait bombarder le monastère ou pas. On savait qu'ils étaient à l'intérieur, même s'ils prétendaient le contraire. Et s'ils n'y étaient vraiment pas, ils étaient juste à côté dans leur poste d'observation. Je ne dis pas qu'ils étaient à l'intérieur, qu'ils se servaient du monastère comme d'un poste de tir, mais je sais en tout cas qu'ils s'en servaient comme observatoire parce qu'on embrasse toute la vallée. Freyberg craignait que ce soit une obligation stratégique. Beaucoup d'Américains partageaient cet avis. Ils étaient convaincus que l'édifice était bourré de soldats et d'armes. Pourquoi ne pas les faire sauter? Pourquoi prendre le risque de renvoyer des Néo-Zélandais chez eux dans des cercueils ou de les enterrer en Italie? Tout ça parce qu'on ne veut pas faire sauter une abbaye. Les commandants néo-zélandais n'étaient pas prêts à sacrifier des hommes sur une simple incertitude, sur le fait que les Allemands n'y étaient peut-être pas. La décision a donc été prise de bombarder le monastère. Il y avait des snipers sur le toit du monastère. Et, bien sûr, après l'avoir bombardé, ils se sont réfugiés à l'intérieur. Pas avant? Non. ...142 forteresses volantes et 112 bombardiers moyens larguent 576 tonnes de bombes sur le mont Cassin. Les murs restent quasiment intacts. Mais les jardins intérieurs, l'église et autres édifices et lieux de culte n'y résistent pas. Lorsque le monastère était bombardé, les troupes n'ont pas cessé d'acclamer les passages des avions parce qu'ils ne pouvaient pas supporter cette présence écrasante au-dessus d'eux, comme celle d'un ange exterminateur. D'après moi, ils étaient obligés de bombarder le monastère. Et d'ailleurs, ça leur a bien servi. C'est comme ça qu'ils ont réussi à rentrer. L'abbé et ses compagnons survivent à l'attaque et signent aux Allemands une déclaration écrite attestant de l'absence de troupes dans le monastère au moment du bombardement. Mais le plus ironique dans cette controverse autour du bien fondé de l'assaut reste que ce bombardement n'apportera aucune aide aux troupes alliées qu'il était censé appuyer. Une fois le monastère détruit, il y a eu comme une certaine confusion et l'attaque s'est interrompue à un moment.
Du coup, ça a laissé le temps aux Allemands de mettre en place leurs mitrailleuses pour arroser les troupes qui avançaient. Après le bombardement du monastère, le 4e régiment a pris possession des lieux parce que c'était la plus grande forteresse qu'on puisse imaginer. Les Indiens, fraîchement arrivés sur la montagne, investissent la longue ligne de fête escarpée qui mène au monastère. L'offensive sur l'abbaye, qui n'est qu'à 1 km de là, est censée être lancée d'un monticule baptisé la côte 593. Mais ce dernier est toujours sous contrôle allemand au moment du bombardement, et il le restera. Pendant 3 nuits d'affilée, les troupes anglaises et indiennes tenteront de se frayer un chemin et de prendre d'assaut la côte 593 pour atteindre le monastère. C'est d'abord une compagnie qui se charge de l'assaut, puis un bataillon, puis 3. Mais à chaque fois, c'est le même résultat. Les alliés sont continuellement repoussés et enregistrent de lourdes pertes. L'offensive doit être tout simplement suspendue. Les attaques de nuit successives ayant vu la moitié des soldats tués ou gravement blessés. Les alliés ne disposent pas de suffisamment d'hommes pour faire plier l'ennemi. Les troupes de Freyberg, quant à elles, sont toutes proches de remporter la victoire et de reprendre ainsi la gare. Les offensives nocturnes, lancées par 2 compagnies néo-zélandaises, aboutissent à un gain de terrain non négligeable. Mais les contre-offensives diurnes des chars et de l'infanterie allemande finissent inévitablement par les repousser. Plus de la moitié des soldats alliés sont tués ou blessés pendant l'attaque. Freyberg a décidé de mettre un terme à l'offensive, si bien que plusieurs observateurs ont déclaré que les Néo-Zélandais étaient tout près de prendre la ville de Cassino quand les combats ont cessé. En fait, il a eu raison d'arrêter là, parce que même s'il avait réussi à prendre la gare, qu'est-ce que ça aurait pu leur apporter? Quoi qu'on puisse faire de la gare ou des bâtiments alentours, l'essentiel se trouve là-haut, sur la colline. Le monastère, c'est là. Que sont les Allemands? De leur position dominante, ils peuvent vous pilonner de tirs de mortier, de tirs d'artillerie ou de mitrailleuse. Quoi que vous puissiez faire de la gare, le monastère reste la position préférentielle. Entre-temps, les Allemands lancent leur plus grande offensive sur Anzio. Bien qu'ils parviennent pour l'instant à conserver leur position, les Alliés savent pertinemment que l'étreinte ne sera pas relâchée sur Anzio et que dès lors, ils seront obligés de maintenir la pression sur Cassino. Le problème reste de savoir où. La montagne, le fleuve, la vallée? Aucune des nombreuses attaques n'a été couronnée de succès. Mais il reste une dernière possibilité. 2 offensives simultanées au nord de la ligne. La première sur la ville, la seconde juste au-dessus, sur les premières pentes de la colline qui mène au monastère. Une double attaque sur terrain sec qui autoriserait le soutien des blindés à l'infanterie. En cas de succès, et la ville et le monastère seraient enfin dégagés et les 600 chars alliés pourraient enfin surgir dans la vallée du Liri pour gagner Anzio et Rome. En soutien des bataillons d'infanterie, une nouvelle stratégie est adoptée. Les troupes ennemies présentes dans la ville de Cassino subiront l'attaque aérienne de centaines de bombardiers lourds. On avait absolument besoin du soutien des bombardiers lourds parce qu'il n'y avait qu'eux qui pouvaient faire ce travail. Mais bien sûr, cela a posé des problèmes en soi, car ni les Américains ni les Anglais n'étaient des génies en termes de coordination entre attaque aérienne et offensive au sol. Ils n'avaient aucune expérience dans l'utilisation des frappes chirurgicales en soutien des opérations au sol. Mais les Allemands ne sont pas en reste. Ils ont disposé des mitrailleuses, des mortiers et enterré des chars sur les premières pentes de la colline du monastère. Dans les solides maisons en pierre de la ville, renforcées avec du béton et de l'acier, ils ont dissimulé des chars et des armes automatiques.
Et ce n'est pas un hasard si, en haut lieu, la décision est prise d'envoyer les divisions d'élite de la division de parachutistes Hermann Göring pour relever les troupes en place à bout de force. Les 7 bataillons de Göring s'apprêtent à retrouver des adversaires qu'ils ont déjà chassés de Crète 3 ans auparavant. Malheureusement, la météo va s'inviter dans le conflit. Il faudra en tout 3 jours pour que le terrain s'assèche et que les bombardiers puissent toucher leur cible. Mais il pleuvra sans interruption pendant 3 semaines, pendant lesquelles les troupes ne pourront effectuer aucune sortie, attendant patiemment que le temps redevienne plus clément. Ce n'est que le 15 mars que la pluie cesse enfin. L'opération Bradman peut commencer. Ce sont quelques 500 bombardiers qui se relaient pour larguer plus de 1000 tonnes de bombes sur la petite ville de Cassino. Ils ont utilisé une méthode peu orthodoxe. Imaginez la montagne comme cela. Ils ne sont pas arrivés de front. Ils ont suivi la ligne de fête pour larguer leurs bombes. On n'avait jamais vu ça auparavant. Précédés de plusieurs chars, 2 unités du corps néo-zélandais se dirigent maintenant vers le sud de la ville, alors qu'une 3e gravit les premières pentes de la colline du monastère dans l'optique de chasser les Allemands de Castle Hill, une importante saillie à mi-chemin entre la ville et le monastère. En fait, c'est comme une faveur qu'ils ont fait aux Allemands en réduisant la ville à l'état de ruine, parce que du coup, les chars sont restés bloqués. Ensuite, c'est l'infanterie qui a dû prendre le relais, et c'était beaucoup plus facile de combattre à 1 contre 1 que d'avoir affaire aux blindés. Aucun char n'est en mesure de s'enfoncer plus loin dans ce chaos. La progression est ralentie alors que l'infanterie éprouve les pires difficultés à nettoyer le terrain. De plus, ils doivent essuyer le feu des Allemands dissimulés dans les décombres, bien que la moitié des 360 parachutistes soient déjà morts. Cette nuit-là, les Allemands décident d'envoyer des renforts et de concentrer leur résistance sur 2 grands hôtels à l'extrémité sud de la ville, le Continental et l'Hôtel des Roses. Alors que les combats dans la ville ne mènent à rien, la situation est la même pour le gain de la colline du monastère. Les troupes indiennes, emmenées par les Gurkhas et les Punjabis, des soldats capables de tenir 1 semaine sans nourriture ni eau potable, parviennent à investir Castle Hill. Les Allemands, quant à eux, perdront presque un bataillon entier à essayer de la reprendre. Juste au-dessus de moi, sur la droite, un groupe de soldats a bien voulu prêter quelques civières aux Allemands pour amener leurs cadavres. Plus tard, ils leur ont rapporté les brancards avec une lettre de remerciement. Mais après 5 jours et 5 nuits de combats ininterrompus, les troupes alliées ont considérablement diminué en effectif. Et les survivants sont à bout de force. Freyberg avait compris que la 2e division néo-zélandaise n'irait pas plus loin. Ses commandants de brigade le tenaient informé de la situation, des effectifs restants et de leur état de fatigue. Et quand on lui a demandé pourquoi il voulait suspendre l'attaque, il n'a répondu que par un mot, Paschendal. Il ne voulait pas répéter les erreurs du passé, celles de la Première Guerre mondiale. Bien qu'il enrage de devoir une nouvelle fois s'incliner face aux divisions parachutistes allemandes, Freyberg préfère renforcer les positions qu'il a conquises et ne pas risquer de pertes supplémentaires au cours de nouvelles offensives. À partir de là, les divisions indiennes et néo-zélandaises ne retrouveront jamais leur gloire passée. C'est le 24 mars que s'achève la 3e bataille de Cassino. Pendant les 6 semaines qui suivent, la zone connaît une relative période de calme.
Avec la tête de pont bien établie à Anzio, le général Alexander, à la tête de la campagne d'Italie, peut maintenant préparer sereinement et méticuleusement son plan d'attaque. C'est lui-même qui choisira le lieu et la date. Il n'entend pas simplement s'emparer de Cassino, mais aussi encercler et détruire toutes les forces de l'Axe en Italie. La 8e armée était en mouvement sur la côte est italienne. Et comme l'armée des États-Unis, assistée de nombreuses divisions françaises et britanniques, avait échoué à Cassino, les généraux Lees et Alexander ont planifié dans le plus grand secret de faire basculer la 8e armée d'est en ouest. Alexander prévoit de lancer son attaque sur toute la longueur de la ligne Gustave, de la côte aux montagnes. Il ne veut plus de ses offensives sur des couloirs étroits d'à peine un kilomètre. Les Allemands devront cette fois repousser des assauts simultanés sur un front de plus de 30 kilomètres. Pendant que ces 16 divisions se mettront à la poursuite des Allemands dans la vallée du Liri en direction de Rome, Alexander prévoit de faire passer à 6 divisions les troupes d'Anzio, dans l'optique de bloquer la retraite des Allemands. Coincé au sud de Rome entre les troupes de Cassino et celles d'Anzio, les 10e et 14e armées allemandes seront anéanties. Ça a un côté très russe dans le souci de méticulosité. On attaque sur un front large dans le but de disperser l'ennemi pour ensuite concentrer le feu sur une zone beaucoup plus étroite pour opérer une percée décisive. Alexander a pris tout son temps. Il ne voulait pas d'une opération décidée et bâclée à la hâte. La réussite de l'opération repose sur le secret et la surprise. 9 divisions entières sont déplacées à travers l'Italie, sans que les Allemands s'en aperçoivent. Lorsque 2 divisions polonaises sont appelées à se rendre sur la ligne Gustave, les communications radio sont tenues par des Anglais pour que les Allemands n'identifient pas l'accent polonais. En guise de couverture, on met également sur pied un plan destiné à faire croire aux Allemands que l'offensive alliée prévue au printemps impliquera une nouvelle attaque amphibie au nord de Rome. Comme le dit l'expression, tout est réglé comme du papier à musique. L'effet de surprise est tel que lorsque l'opération est lancée, Wanzinger est en permission. C'était le 11 mai. Le soir commençait juste à tomber et il n'y avait aucun bombardement. Aucun bruit de DCA. Je trouvais ça bizarre comme le calme avant la tempête. Et un de mes camarades de Gourbi n'arrêtait pas de répéter « Quelque chose se prépare, quelque chose se prépare. » L'heure H était prévue à 23 heures. Et c'est la BBC qui devait donner le signal pour que les premiers tirs de canon, côté anglais et côté américain, puissent débuter en même temps. La ligne de front tout entière qui s'étendait vers Naples et qu'on pouvait voir depuis les collines était impressionnante. C'est comme si tout d'un coup quelqu'un avait allumé toutes les lumières. Plus de 2000 canons de DCA ont fait feu sur nous sans s'arrêter. C'est là qu'ils ont vraiment commencé à gagner du terrain. À l'extrémité gauche de la ligne, tout près de la mer, 2 divisions américaines sont repoussées. Plus à l'intérieur des terres, le corps expéditionnaire français parvient, lui, à franchir les monts Urunchi. Dans la vallée du Rapido, théâtre de la première et catastrophique bataille, les troupes britanniques et indiennes parviennent à ouvrir une brèche et traverser le fleuve. Et les Allemands ne sont pas au bout de leur surprise. Derrière l'infanterie, 2 chars britanniques transportent chacun une section d'un pont sur leur tourelle. Ils s'arrêtent net devant le fleuve et les pontonniers se mettent au travail. Très vite, les premiers chars traversent le fleuve pour prolonger la tête de pont. À
À l'extrémité droite, les Polonais se heurtent à la même résistance qu'auparavant dans les montagnes. Les premiers assauts de nuit ne donnent rien. Mais l'apport d'une deuxième division leur permet d'attaquer en plusieurs points, à la différence des Indiens à qui le feu croisé des Allemands avait été fatal. Ils parviennent maintenant à progresser. Mais c'est véritablement l'offensive des Français sur le prétendument infranchissable mont Arunchi pour aboutir dans la vallée du Liri qui va faire pencher la balance du côté des Alliés et réellement déstabiliser les lignes de défense allemandes. Déjà sous la pression des Anglais au centre, les Allemands sont repoussés à 10 km de leur précédente ligne de défense. Ironie du sort, le monastère revient aux Alliés sans avoir livré le moindre combat. On a reçu l'ordre de se replier le 17 pendant la nuit. Et c'est ce qu'on a fait aussitôt. On est monté en direction du monastère et c'est là que j'ai été touché. J'ai finalement réussi à me traîner jusqu'au poste de premier secours, à l'intérieur du monastère. Et quand le jour s'est levé, on était le 18, je me souviens avoir entendu un camarade crier « Les Tommies arrivent !» Tous nos gars avaient le même uniforme, à peu de choses près. Et on a tout de suite remarqué que les Polonais étaient là. On progressait dans la vallée, puis on a fini par stopper pour assurer nos positions. Et ce matin-là, tout le monde a levé les yeux vers la colline en criant « Regardez, regardez là-haut !» Au sommet du monastère flottait un drapeau rouge et blanc, c'était le drapeau polonais. Toujours en regardant vers le haut, on a vu les Allemands descendre de la montagne en agitant un drapeau blanc. Ils venaient se rendre. On avait enfin pris le monastère. Ce jour-là, j'ai écrit ces mots. 18 mai, jour à marquer d'une pierre blanche pour la 8e armée. La 4e division britannique est entrée dans Cassino. Jour de gloire pour les Polonais, leur drapeau flotte aux côtés de l'Union Jack sur le monastère. Cet après-midi, le général Oliver, c'est le général Lees, et moi sommes arrivés en voiture dans Cassino. La ville a été complètement détruite par les bombes. Au loin, comme dans un étrange tableau d'un lieu de conte de fées, le monastère en ruine domine la ville. Après plusieurs jours d'une âpre bataille, la ligne Gustave est enfin brisée. Les Alliés peuvent maintenant s'engouffrer dans la vallée du Liri, au milieu des mines, des engins piégés explosifs et cadavres des lignes arrières allemandes. Le nombre de blessés du côté allié retarde également leur progression. Mais l'euphorie de la victoire va très vite laisser place à la déception, la frustration et la colère. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, bien que les 6 divisions postées à Anzio soient parvenues à se débarrasser des régiments allemands comme prévu, pour ensuite se diriger vers l'est dans l'optique de freiner la retraite des Allemands de Cassino, le général Clark décide subitement de déplacer la moitié des troupes vers le nord. Celles qui resteront en place ne survivront pas à la retraite massive des Allemands qui passent à travers et en dehors de Rome pour aller prendre position à 160 km au nord de la ville. Pourquoi Clark a-t-il décidé un tel changement de direction? Il affirmera plus tard, pour sa défense, qu'il n'avait d'autre choix que d'attaquer les troupes allemandes sur le flanc gauche, celles-ci s'approchant de trop près des garnisons de la plage. Mais certains auront un avis différent sur la question, n'hésitant pas à rappeler que Clark a régulièrement comparé la prise de Rome à l'ultime récompense. Les Américains et les Anglais étaient tellement méfiants les uns envers les autres que Clark a toujours été convaincu que Alexander ne le laisserait jamais marcher sur Rome. Clark se voyait un peu comme le Napoléon du XXe siècle. Il considérait que Rome lui revenait de droit en récompense de ce que son armée avait enduré pendant l'hiver 1944. Quelle que soit la vérité, Clark connaît son heure de gloire le 4 juin 1944, lorsqu'il conduit ses troupes à l'intérieur de Rome.
Mais à peine 48 heures après, son triomphe romain est totalement éclipsé par le débarquement en Normandie et l'ouverture du deuxième front, attendu de tous depuis longtemps. La seconde déception provient de la grande stratégie des Alliés. En raison de l'insistance des Américains, le débarquement de Normandie doit être suivi d'un autre débarquement dans le sud de la France. Par conséquent, le général Alexander doit se résigner à abandonner 7 de ses meilleures divisions à l'invasion de la Normandie. Ses chances de chasser rapidement les Allemands d'Italie s'envolent avec leur départ. Une campagne menée dans un sentiment de frustration qui se termine comme elle a commencé. Tout ce qui s'est passé durant la campagne d'Italie ne fait que venir s'ajouter aux nombreuses erreurs de stratégie commises en Méditerranée. On ne se lance pas à l'assaut d'une péninsule montagneuse du sud vers le nord. C'est parfaitement stupide. Le débat est toujours ouvert. Y avait-il une autre alternative à la campagne d'Italie ? Cette boucherie à Cassino était-elle nécessaire? Je crois bien que malheureusement, oui. Avec cette offensive sur Cassino au printemps 1944, d'importantes divisions, des divisions d'élite ont été mobilisées en Italie, alors qu'elles auraient été d'une aide extrêmement précieuse aux Allemands en Normandie et dans le nord-ouest de l'Europe. La ville de Cassino ne compte pas moins de 5 cimetières de guerre, un pour chaque pays ayant pris part au combat. Dans le seul cimetière allemand, plus de 20 000 victimes ont été enterrées. Au milieu du flot de touristes venus visiter la ville et le monastère reconstruit, seuls des rangées de croix sont là pour rappeler l'héroïsme et le sacrifice des soldats tombés au cours d'une des plus terribles batailles de la guerre. Comme durant la Grande Guerre, on peut dire qu'on aurait été damné à Monte Cassino. On s'est battu pour d'infimes parcelles de terrain pendant des mois et des mois, avançant puis reculant. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Là-haut, dans les montagnes, sur les pentes abruptes de la côte 593, on peut lire cette inscription. Pour notre liberté à tous, nous, soldats polonais, avons donné notre âme à Dieu, notre vie à la terre d'Italie, notre cœur à la Pologne.